J'aime bien la description de la catégorie camion de course. Genre développant plus de 1000 chevaux aussi lourd qu'un éléphant et aussi aérodynamique qu'un vrai frigérateur. C'est vrai que là on est pas mal. Du coup, quatrième course sur 5 de la camion cup. Camion de course cup. Frigo cup. Et on est sur wow, le Nürburgring. Ok. On a 20 tours à faire sur le circuit national. J'ai touche là, bien joué. Et il pleut sa race. Et si vous avez pas vu le dernier épisode, c'est plutôt marrant parce que je suis arrivé 18ème. Enfin, je sais pas de quel côté c'est marrant, mais voilà, du coup on a perdu la première place. On est à 80 putains de points du premier, ce qui est ultra loin. Donc on a 620 points, le premier est à 700. On va voir ce que ça va donner. Il y a plus de virages ici, donc Inch'Allah. Et ouais, il pleut comme vache qui pleut. On se croirait en Bretagne alors qu'on est en Allemagne. Je vous aime les Bretons, c'est faux. Bref. Et ouais, du coup, là ça va être la crise. De ouf. Et ben, on est toujours avec Zoruien, hein, du coup. Et toujours en live. C'est cool. Et puis, on va recommencer direct. Hein. Il y a de l'orage et tout. On adore. On adore Dior. Mon beau camion. Oh mon cas. Mion. Tu es le plus beau des camions. Oh putain de sa race les IA qui freinent. Donc on a 20 tours à faire. La difficulté des. Des IA étant imbattable. Non, je suis avec lui, putain, mais il est nul. Savoir que Oh pour non, ceux qui sont sur la vidéo, il y a Zoruya qui joue à Rocket League, donc il va être salé toute la vidéo. Mais tranquille, on s'en bat les couilles. non, j'ai gagné tous les matchs, là je viens d'en perdre le premier seulement. Donc, du coup, ouais, du coup 20 tours, pas d'aide au pilotage, bot en imbattable. Et puis voilà. Pour l'instant, on est Bots sont 7ème. imbattables. Ouais. Voilà, c'est la difficulté la plus difficile, quoi. C'est 100%, quoi. Ah, je vais le changer. Par Oh, ça l'extérieur. touche pas. Ouh. Il a rien compris lui. Il me dit de m'attaquer à deux sur la balle. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque deux sur la... Il attaque avec moi sur la balle. Retarded. Putain, je te jure. Qu'est-ce qu'il fout lui aussi, putain, il s'impressionne quoi. What the fuck, AZPZEC, je suis mort. Ouais, c'est mes potes Xbox en fait, les drivatars. Donc ouais, y'a Zek, du coup. Alors qu'il n'a jamais joué au jeu, hein, bien sûr. Bon, du coup, on se retrouve sixième. Plutôt bon départ, je sais pas combien on a commencé, genre au-dessus de... En dessous du top 10, enfin pas dans le top 10 en tout cas. Hop, voilà, on reprend une position. Toujours à l'intérieur. D'accord. Compliqué sous la pluie, hein. Je sais pas si le temps va s'améliorer sur la course. Ok, ce virage il passe pas à fond. Alors, clairement pas. T'as été déçu? Ah ouais, surtout que j'étais à l'extérieur, donc j'avais pas la meilleure trajectoire. Et avec ces gros blocs réfrigidaires, comme disent Dorn10, Microsoft Game, toi-même tu le sais. Attends. Et premier tour couvert, ici au Nurb. Heureusement que c'est pas la boucle nord, hein. On se serait amusé dessus. Surtout avec un temps comme ça. Surtout avec des camions qui font 5 tonnes. Le freinage. Ouah, quatrième. Ah, ça va peut-être mieux se passer que la course aux US qu'on a fait juste avant. Allez-y, enculé.
Putain, je te gêne. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu, tu sais, vu qu'il y a eu des vidéos de la carrière F1 et tout qui est sorti. Ouais. J'ai vu les mecs qui faisaient du 50%. Ils pouvaient avoir des pit stops à deux arrêts. Donc je me suis dit, bon, bah en fait, je vais faire du 50% sur ma carrière. Ah, il peut faire deux arrêts? Ouais, il y a les IA qui peuvent faire deux arrêts. Donc je trouve ça super intéressant, tu vois. Et puis toi aussi, du coup. Genre, t'as une stratégie à deux arrêts et tout. Donc du coup, je vais Ouais. faire du 50%. Eh ben vas-y. D'habitude, tu faisais du combien? 25. Enfin, c'est ce que je voulais faire, en tout cas. Waouh! Tu freines tout, mon poteau. Voilà. Ouais, du coup, pour ceux qui regardent cette vidéo ou le live, J-7, non 6 maintenant, du coup, avant la sortie de F1 2018, et il faut savoir que bah, la semaine de la sortie, ça va être semaine spéciale F1 2018. Il y aura un live par jour et la rediff, du coup, sur la carrière, donc on va faire les 7 premiers grands prix. Juste essayer de dépasser ce mec. Mais là, il fait de la merde, lui. Et du coup, vous aurez les 7 premiers grands prix durant la première semaine. Puis après, on verra pour le rythme si je m'en impose un ou pas. Et vous verrez d'ailleurs, je l'ai dit à quelques personnes, mais voilà, vous verrez l'écurie le moment venu. Allez, on est dans le top 3. On entame le troisième tour. À dire que ça va bien mieux qu'à l'autre course. Je pourrais te dire la même chose d'Asia. J'étais à l'intérieur au premier virage, c'était d'une herbe. C'était sur le banking dégueulasse. Et il m'a foncé dedans après la corde. Alors que j'étais à l'intérieur, lui à l'extérieur, on va savoir. Mais putain, mais je suis nul à chier sur ce que je viens de faire. Ah yeah, dégage-toi. Bah ouais, du coup. Le sel de Guérande à l'intérieur, pas du tout. Je pense qu'on a un allié qui disparaît à chaque fois, j'ai l'impression. Il Genre, disparaît. chaque fois qu'il y a une balle au centre, par exemple que j'ai mise moi, et que l'autre allié prend du boost ou je sais pas, ou genre qu'il est pas, il est pas Le positionné, troisième est pas là. l'autre est littéralement jamais là. Et c'est toujours le même? Toujours le même. Ah bah faut le frapper. Ah, je fais la marquer. Je croyais que t'allais dire Puis j'ai celui failli qui fait le frapper. malin, il va leur donner des conseils. Allez, peut-être par l'extérieur ici. Putain de la traction. Non, pas du tout. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Le gars se tape un petit kiff à la marche arrière, ça va aussi. Ouais, si elle remonte bien. Elle remonte bien, je l'ai. Ok, selon le jeu, j'ai coupé la piste, merci. En tout cas, j'ai coupé la politesse au bot, merci. Deuxième place. Pardon, oh putain. Pour une fois qu'il allait avoir la balle, je crois. Dégage toi, putain. Est-ce que j'ai l'intérieur? Ouais, j'ai l'intérieur de ouf.
Bah c'est passé. Et hop, la tête au bout du quatrième tour. Abonnez-vous à Karma. Vas-y, vas-y. Ah putain, je t'ai perdu. Est-ce que le temps va s'améliorer? C'est embêtant. Ah bah quand j'en parle. Oh, on a failli tellement prendre cher. Dégage. Bah ouais. Je sais pas ce qu'il fout lui. Il fait du bif, de la moula, du caramel. L'autre il fait une passe chez nous, bien compris. Marc Paris Tarded, c'est pas marrant. Il y a l'allié qui a dit. Oh, regarde, qui est-ce qui est tombé useless encore une fois? Et il est français. C'est le même qui a fait. Non, 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 en anglais. Je peux pas être toujours en Rocket League. Rocket League, faut pas y jouer trop souvent. Faut pas y jouer avec des randoms surtout. Le 3v3 solo, c'est si le pire. Bah, quand tu seras diamant, la bonne limite de champion, tu me diras. Qu'on puisse jouer, non? Si tu veux jouer en classé avec moi, bon, y a pas de problème, mais. Faudrait que j'ai mon niveau toi, là, quand c'est moi. Tu as la même genre sur GT Sport, un petit bout de pneu sorti, une pénalité une seconde, mais un gros FTP qui te rentre dans le pied dans le dernier virage. Ouais, ouais mais c'est ça, ouais, mais non, GT Sport c'est mal fait, les pénalités. Oh merde! Oh le point de freinage! T'es en quoi sur Rocket League en 3v3 mec? 3v3 solo ou. De toute façon, je suis platine partout donc. Non, le 3v3 avec les teams. Je suis plate. Ah ouais, ok. Plate 1, plate 2, plate 3. Entre 1 et 2, je crois que je suis 1. Vincent. Il va peut-être pas falloir s'arrêter au centre, quoique non, ça va être limite. Hein. D'après mes calculs de scientifique, ça pue la merde. Ouais, mais Clermart, c'est pas scientifique! Ta gueule. Abonnez-vous. D'ailleurs, j'ai pas monté la deuxième vidéo qu'on a faite sur F1 2017, faudrait que je fasse. Celle où on était nul ou. Mexique, je crois que j'ai. Ah. Je crois que c'est le Mexique, hein. Je suis pas sûr. Okay. Ouais, je vois. Bon, après, je suis fan de zombies, tu es fan de sport automobile et tu joues sur Rocket League. Tant de points communs, viens, on se marie. Non! À cause de toi, j'ai loupé la corde. À cause de ça, on va pas se marier, je te follow pas back. Voilà. Ouh. Si j'étais toi, je me serais désabonné. Oh merde, moins 1. Bon, bah, plus que 11 pour les 1000. Ça va, t'es plus à ça près. Ouais, c'est clair. Si je veux, je fais un petit live sur. Ou quoi que je les aurais soit avant, soit avec fin 2018, je pense que ça ira, hein, les abonnés. Si. Ce serait beau qu'on fête les 1000 abonnés pour le Grand Prix d'Australie fin 2018. Mon cœur est en miettes.
Parce qu'évidemment, il y aura la carrière coop aussi. Ouais, je sais pas quand elle arrivera par contre. Elle arrivera pas la première semaine, ça c'est clair et net. Parce qu'il y aura trop d'efforts en 2018 déjà. J'allais dire 17. Ça va, les flaques, on les sent pas trop avec le camion du coup. L'engin que c'est. Quoi jouer, c'est assez embêtant quand même. Oui. Oui, si j'avais la fin 2018, la question ne se poserait pas. Mais tu n'es pas un youtubeur. Ah. Ah. Moi. Coup dur. Je vais devenir youtubeur exprès pour ça. Mais MDR. Ça te fait rire? Pas totalement. Attends, je peux pas tenir YouTube juste pour gratter un F1 plutôt. Je retiens, Kamara, je retiens. Je ne sais pas quitter. C'est ça, fait là. That power. Deutsche Qualität. C'est trop bien ça, cette animation. T'es en train de faire du lift and coast, t'imagines? Avec un camion. Je suis en train de battre des bottes imbattables, c'est vrai. Et plutôt facilement en plus. Contrairement à la course avant. On sent pas le mal. Aïe. Ah, si j'étais toi, je parlerais mieux. T'es qui? Et si j'étais mieux, je parlerais de toi. Ou alors t'es sous la pluie, victime. Oui. Sur le Nordschleife? Non, c'est faux. Carter qui dit je vais provoquer le karma sur toi mais tu es en train de battre des bottes imbattables, tu es trop fort. Ah. Oui, actuellement je suis en train de m'auto-fellationner. Non, c'est faux, calme-toi alors. C'est sur moi. Pas sur moi. Oui. Ne serait-il pas meilleur que tout le monde? Ne serait-il pas imbattable? Un mail, hop, très rarement.
C'est vrai que moi aussi, je le fais très rarement. Hein. Alors, je vais envoyer un mail à Codemasters. Salut, tu peux m'envoyer un code F1 2018 STP. Ce sera bien gentil, négro. Oh, une éclaircie sur l'Allemagne, incroyable. Est-ce qu'il va s'arrêter de pleuvoir? Ce serait bien. Parce que la pluie, c'est bien, mais le soleil, c'est mieux. J'espère que vous avez apprécié ce dicton. Mon point de repère sur les chicanes avant l'arrivée. Attends, je vais te dire ça quand j'y serai. Bah après ça dépend du véhicule hein, mais je crois que c'est le panneau 150 mètres, mais je suis pas sûr. Je sais que c'est un panneau en tout cas. Je vais le faire sans lift and coast. Je vais dire où c'est précisément. C'est un peu après le panneau 150. Genre à 140, un peu plus. Bon. J'ai chaud. J'ai envers. Et j'ai non. Hitler. Quoi? Calvo. Ça me bug. Ah, je suis Discord, hein. Ouais, mais exactement.
Pourquoi il a fait un tout droit? Putain, le camion, il a décidé de pas tourner. Ok, très bien. C'est agréable. Mais j'améliore quand même le premier secteur, abonnez-vous. Je vais chercher à boire, moi. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que je vais aller chercher à boire? Karmar, est-ce que je vais chercher à boire? Oui. Est-ce que c'est mieux pour survivre? Et si on veut faire la carrière à deux, il faudrait quand même que je survive, ça serait bien. C'est vrai. Oh, attends, il y a un mec qui a déjà fait deux vidéos sur la carrière F1 en une journée. Ouais, c'est. Arava. Non. Bah Rava aussi alors. C'est qui Rava? C'est le youtubeur le plus connu anglophone de F1. C'est écrit comment? 2A R-A-V-A. Ah, Rava, ok. Alors verdict, est-ce qu'il faudra s'arrêter? La réponse est non. 200 000. Et non, il y a plus connu que lui par contre. Ah bah c'est plus actif en tout cas. Quel beau circuit, dommage qu'ils ne font plus en F1. Ouais, mais l'Allemagne, voilà quoi. C'était lequel, c'est Nürburgring? Le Nürburgring. C'est vrai que c'est un beau circuit, mais je sais pas. Ah, c'est clairement celui que je déteste. Moi j'aime bien Hockenheim aussi. Hockenheim par contre j'aime bien. Hockenheim c'est un bon circuit. Genre, je dirais pas non à Hockenheim en circuit allemand. Et le Nürb en circuit européen, comme ils ont fait avec Valence, circuit comme ça. Ah oui, oui. C'est dommage qu'il n'y ait plus Valence, maintenant je pense. Valence était bien aussi, mais. Ouais, il y avait des enchaînements sympas à Valence. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais après, il y a tellement de circuits bien qu'on peut pas tous les mettre, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a quand même des circuits nuls, tu vois. Et pourtant, ils les mettent. En quoi non, que Bakou est pas nul, mais ouais. Non, moi j'aime bien. À part le gauche-droite, l'agneau du château, que tu prends tout le temps le mur, littéralement. Tu fais une Pérez. Je peux te rappeler ce que tu avais fait? Ouais, oui, j'ai fait une Pérez, sauf qu'il n'y avait pas de dégâts. Ouais. Bon, t'en as pas qu'une fois, quoi. Voir un gros Jean faire un attentat. Mais non 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 non, attends, après on va retourner en troisième guerre mondiale avec les Allemands. Non, Angela elle va se mettre en trier et va nous mitrailler. Mais non, c'est mort, j'ai pas envie que qu'Angela faire ça, tu vois. Pire tableau, c'est chaud. Guernica quoi. Ouh, ça va, faut y sortir large. Tu vas voir, après les S2Marer, je suis allé très loin. Ok, attends, bah tu y arrives là. Au gauche-droite là? Non, non, après, au freinage. Au freinage en haut. Ah. Ouais, là, ça va, je sors bien, au gauche-droite, c'est bon. Ah oui, oula, 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 oula. J'étais le camion entier sur l'instructeur. J'étais pas bien. Putain. Par contre, j'ai arrivé avec tellement peu d'essence, genre à la moitié de la course j'étais à 52%, donc en gros j'arrive, je vais avoir 4% d'essence. Salut QLF. Non. Il y avait un circuit aussi que j'aimais bien, c'était le circuit de Corée, je sais plus comment il s'appelle, qui était là je crois un ou deux ans. De Corée du Sud.
Ah Tout non. le monde est les seuls sont pleins, je ne boirai pas le tonneau, femme fontaine, même si t'as rempli les tonneaux. Ah, c'est très poétique. C'était incroyable. Merci pour ce. Tu refais quand du BO3 Pas de suite en tout cas. Il arrête définitivement BO3 et il reviendra sur BO4. J'ai menti. C'est pas impossible, mais non, j'en ferai quand même. C'est genre s'il y a des modes custom intéressantes qui m'intéressent de type intéressante, j'en ferai. Ouais. Chez nous, pas quoi faire. De quoi? Dis du coup, je ne sais pas quoi faire. Ah. À part m'amuser. T'es allé chercher de la flotte, l'autre moche là? Ah putain, il faut que j'y aille dans le genre. Je vais me bouler avec d'ailleurs. Le pneu arrière il s'use pas par rapport au pneu avant, j'ai juré. 20% contre 14. Eh, hey, meilleur temps en tour. Pourtant, je fais du lift and coast. Ouais, là, j'ai fait de la merde par contre. T'as déjà joué avec Flapix? Bah ouais. Pourquoi cette question? Pourquoi quelle question? T'as déjà joué avec Flapix? Et ben moi non. Mais j'ai déjà été avec Flapix. Oui, mais on parle pas de toi. Il m'a touché dans le cœur. J'ai juré. C'est que dans une musique, bah tu sais la musique où je t'ai dit la façon pleine, la... bref, ouais. Je me retourne dans nos femmes fontaines. Mais dans un moment, il a fait une punchline. Il a dit fusée Ariane, je rentre en piste comme Shumi en ski. Ouf. Ah, j'ai mal. Le petit cœur. Ah, là, ça j'ai mal. Très mal, le petit cœur.
Le port du casque est obligatoire, je vous rappelle, hein, bien sûr. Évidemment. Et restez bien sur les pistes. Ouais. Parce que c'est pas trop marrant non plus. Enfin, leur piste. C'est ça. Il y a des bons trucs à deux. Bah, parce qu'on a eu une embrouille à cause de la ZPFR en fait. Mais oui, on faisait des. Je trouve qu'on faisait des bonnes vidéos à deux, mais bon, tant pis. C'est comme ça. On dirait l'annonce d'une fin de la fin d'un duo. Ah ouais, mais c'était sympa. Bah, tant pis, hein. Tu te dis mon frère. Bah, je pense pas que c'est la fin non plus, je. Bah, pour l'instant, en tout cas. Bon. Vincent, oui. Je me lâche la michette. Oh, tu es une star, tu as déjà joué avec Flapix. Trois petits points, pardon. Pas intérêt, ouais. Oh, le pauvre. La blague sur Shumi. Ouais, je suis désolé, cartel. Shumi sur côté. Là, c'est plutôt Choumi sur le côté. PLS. Souris. Elle était méchante, celle-là. C'est que j'adore Choumarer, quoi, putain. On verra QLF, c'est le temps qu'il nous dira. Parle-moi, MDF. Ok. Bon, j'ai mis 2 km au deuxième. Hein. On part sur un contre-la-montre là. 2 km, genre. Putain. J'ai presque mis la moitié du circuit, en gros. Il fait 5 km. Ouais, bah tu l'as mis déjà 1 minute, quoi. Oh, what? What? Cartel, il s'est fait tout délette. Oh, pardon, bête. Eh ouais, spam de symboles. Tu peux réécrire ton message sans les symboles. Oh la vache. La couture. Et c'est. Oh, d'un coup j'ai vu un spam message supprimé comme ça, j'ai rien compris. Moi je préfère le mettre ce truc parce que quand il y a des mecs qui abusent au moins, ils font. Mais tourne camion. J'ai juré, même virage quoi. Après, je préfère mettre ce bot comme ça. Le spam, au revoir. Ouais, bon, pas mal. Allez, camion, tu peux tourner. Comment je. Bon, en fait, c'est que mes pneus avant commencent à avoir un peu mal quand même. Hein. Ah, oui, d'accord. Oh là, oula, coup dur, coup dur. Ah, tu l'as vu, non, tout droit. Là, ouais. Au même endroit. Au même endroit quand je t'ai dit la dernière fois. Ah bah merde alors. La réaction nulle quoi. Ah bah merde alors. T'as déjà vu la vidéo? Attention à la mousse. Elle est horrible cette vidéo. Mais t'as vu le mec qui s'éclate la gueule littéralement sur la table là? Ouais. La vieille dame et tout. Bah genre au moins il s'éclate la gueule, t'as juste la vieille dame qui lâche un gros. Oh merde alors. Non elle fait ah bah merde alors. C'est incroyable. Surtout que de la mousse à part en très très grande quantité, ça fait pas glisser des rollers. Surtout en ligne droite. C'est le mec qui gueulait, qui faisait peur à tout le monde, qui faisait tout point à tout le monde en fait. Attention à la mousse! Et le mec il commence à y aller à tâtons, mais voilà quoi, il se casse la gueule du coup. Ouais. En plus, combien de fois il s'est fait embarquer ce con? Tout le monde lui rentrait dedans. Et la première meuf qui est tombée, miskine, elle est repartie en fauteuil roulant. C'est chaud! Ouais, le premier c'est ouf. Oh, j'ai juré, il a du mal le camion là.
sais, sans décoller, je crois que c'est une vidéo qui m'a fait le plus marrer d'internet, genre. Un jour, on arrive en cours, et on voit notre prof de philo au loin. Et on lui a gueulé « Attention à la mousse !» Et d'un coup, elle s'arrête, elle commence à regarder partout, elle a eu peur. Mais non. Je te jure. Mais moi, cette vidéo, elle m'a pas fait marrer du tout. Hein. Oh, je sais pas, j'en pouvais plus. Je sais pas, c'est du manque de respect, en fait. Rigueux. Comment ça? Je trouve que c'est du manque de respect de ouf de rigoler sur ça. Mais bah, ça va, c'est une vidéo, ils sont pas morts non plus, les gens. Non, c'est clair, mais quand même. Bah, de toute façon, c'est comme une vidéo, c'est comme si, je sais pas, genre, moi, je faisais une vidéo où je m'éclatais la gueule comme une grosse queue. Mais je sais pas, ça ferait rire beaucoup trop, ça ferait rire beaucoup de monde, tu vois. Ouais, mais celle-là, elle m'a pas fait marrer, tu vois. Je sais pas. Ah, c'est plus le gardien qui m'éclate de rire, genre. Il est en train de gueuler, attention à la mousse, le pauvre, il se fait renverser 3 fois. Hier, je commence le troisième secteur, ils ont à peine. Ils sont à peine dans le premier. Ah! C'est la sortie de piste pour le jeu en français. Attention à mon sec. Pardon. Le mec, il l'a laissé traîner là sur la ligne d'arrivée. Ils le déposent gentiment. C'est ça, ils avaient pas assez de. Ils avaient pas assez de budget pour faire le. Tu sais, le ruban à déchirer à la fin. Ils ont fait son sexe. Son bon sexe. T'inquiète, cartel, je vais faire ça. Abonne-toi à Zourua, hein, il a une chaîne. Je pense qu'un jour. J'ai vraiment enlevé les vidéos nulles là qui traînent. Et je vais vraiment genre reprendre la chaîne sérieux. Après quand ça c'est le gros problème. Mais voilà. Ça c'est ton gros problème. Chut. T'es vexant des fois. Hein. Je me gratte le pif. Excuse-moi, j'ai pas la fibre, du coup c'est beaucoup plus compliqué. Ah c'est vrai. Oh, c'est pas beaucoup plus compliqué non plus, mais genre c'est chiant, très chiant pour beaucoup. Y'a moins de confort. y a moins de jeux surtout. Après y'a des vidéos de quoi, tu veux que je fasse quoi comme vidéo d'ailleurs? C'est ça, des vidéos d'F1, mais c'est des vidéos qui dureront quoi. 2-3 semaines, et hop c'est bon, j'en aurais marre. Non, en fait je pense que ce que je vais faire, c'est que je ferai des vidéos mais genre surtout n'importe quoi comme jeu. Toujours, faut que je sois toujours avec des gens. Comme ça, je fais des montages. Comme ça, je fais du montage parce que j'aime beaucoup faire du montage. Du coup. Tu fais du Shutterstock. Hein? Tu fais du Shutterstock. Alors Antoine, c'est Daniel. Ah. Du détournement de vidéo, quoi, en gros. Non. Si, t'as de l'inspi, hein, ça peut toujours être marrant. Ouais, mais le concept est déjà fait. C'est ouais, mais on s'en branle. Ah bah, c'est pas. Quand y a pelouse, y a match. C'est ce que Norman disait. Ouais. C'est ce qui tourne. D'ailleurs, tu penses quoi, toi, pour Norman? Tu penses que c'est vrai ou pas? Je m'en branle. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Abonnez-vous à Karma. Toujours. T'es à 990 abonnés. Oui. Oui. Alors freiner les deux roues dans l'herbe, c'est pas une bonne idée. Voilà. Je tiens à le préciser. Il me reste 20% de carburant. C'est large. Ouais. J'ai tellement lift and coasté, comme on dit dans le jargon. Je
Peut-être que finalement je posterai genre les POV de mes POV sur la F1 quand on joue ensemble. Tu veux, hein. Après faut déjà que je les record. Toi tu recordes avec quoi, avec Frappe, tu m'avais dit? Non, OBS. Ah merde. Pourquoi qu'est-ce que tu fais avec Frappe ça là? Mais Frappe c'était pour mes pour les FPS. En vrai je crois que j'avais record avec Frappe, hein, parce que tu sais que c'est actuel, j'ai eu le moins de problèmes. Je sais pas ce qu'il donne en enregistrement Fraps. En vrai ça va, c'est pas dégueulasse en vrai. Ouais mais niveau ressources je parle. Ah. Parce que toi si tu veux record les POV de la F1, tu me les uploads sur Mega, hein. Tu les utilises. Ah oui bah oui. Mais ça met du temps à upload, non? Ouais. T'as combien d'upload? Alors attends. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un test de connexion. Alors, speed test. Ouais bah ne parle pas en même temps, je pense que tu vas bugger du coup. C'est bon, je peux parler. Alors, on verra hein, si tu bugs ou pas. Parce que vu le que t'as fait. Après si genre t'as 2 ou 3 mégas tu vois ça passe encore. Peut-être demain j'ai pas 2 ou 3 mégas. T'es quoi, t'es en ADSL? Yep. Hein? T'es en ADSL? Ouais. Oh! Ce que t'as fait avec tes palettes, ça fait le bruit de Pokémon quand un Pokémon évolue. 0,64. 0,64 alors, t'as pareil oui. Que ce que j'avais avant. Ah c'est super ça. Bah tout dépend de quelle qualité tu vas enregistrer. Bah ouais mais le truc c'est que j'aimerais bien enregistrer en 720p, en 1080 parce que 720 c'est quand même assez dégueulasse mais voilà. Ah oui non, tu veux, de toute façon moi je fais des vidéos en 1080 donc t'enregistreras en 1080. C'est clair et net. Après enfin genre... Bah après c'est le débit surtout. Parce que moi je suis en 30 000 quoi. 30 000 ça fait beaucoup. De toute façon on s'en fout, c'est pour enregistrer, c'est pas comme ça va un impact direct sur la connexion genre. Oui mais si toi tu fais genre tu enregistres en genre 10 000 mégas et que moi mon rec il est en 30 000 et que je rends en 30 000, à toi ton gameplay il va être pixelisé de ouf et ça se verra de ouf vu que t'auras mon gameplay à côté tu vois. Ou alors au pire je tourne avec Fraps et je me démonte comme ça. Mais putain j'avais une action, mais j'ai fait de la merde, je l'ai ouvert sans, j'ai ouvert le mauvais truc. Et du coup... Baiser sur la licence. Le crack s'est viré, hein? Baiser sur la licence quoi, enfin sur le crack. Parce que bon, je prends un peu la flemme de l'acheter genre. Je dis pas le logiciel est méga complet pour ce que c'est et tout. Mais. Oh, ça s'arrête au stand, 3 débats. Enfin, il y en a un qui s'arrête au stand. Ah, d'accord. Le dernier. Ah, c'est de l'égard, c'est compliqué, je dois m'arrêter. Il a fait une lance roll. Ah, c'est 45, 46 balles. L'action Merglis. Ah, c'est chaud. Non, mais au pire, ouais, tu utilises Fraps ou si Fraps marche pas trop bien, tu utilises OBS, puis voilà. Ouais. Attends, je vais jeter quelque chose si je peux trouver des cracks de Fraps parce que c'est stressant de trouver. Bon allez, on va rentrer dans le dernier tour du coup. 10% de carburant MDR. On va un swap. On a combien d'usure au pneu? Ouais, 30 à l'avant. Oui quand même. C'est beaucoup. Ça commence à faire, ouais. Pour un petit camion.
Petit camion évolue. En gros camion. À lire. Mbouiké bien au chaud d'or. C'est à chaque fois. Genre le setup il est déjà craqué ou c'est quoi le délire? Genre là je fais. Oula! Ah non, c'est bon. Putain, est-ce que Mita ta petite copine? Je teste pas cartel. Parce que c'est bizarre, effectivement. Oh, tout le monde s'arrête. Vender. Tout le monde s'arrête. Karmar. Where is Palmer? Karmar. Tout le monde s'arrête au dernier tour. Ender! LOL! Comme ça, ça me fera plus d'avance. Alors, en général. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'où Karmar. Hein. Movie, j'enregistre combien d'FPS? 60. Allez, t'es... Ouais, je pense. Tu veux que je te donne mes paramètres? Pour que t'essayes de rec avec? Bon, non, j'ai pas le problème, mais attends. Je veux juste voir parce que comme j'ai. Attends. Ah. J'espère que ça marchera. On va mettre ses frappes. Allez, c'était le dernier freinage. Quoique non, on va freiner ici en fait. Hop, voilà. Une victoire sur le Nürburgring. 3 km d'avance. Clap, clap, clap. Clap, 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 clap. Je vais sur Osu, tiens, pour tester. Nous allons click the circles. Click the circles. Une 31-863, meilleur temps en tour. Je sais pas combien de SP, je sais pas trop quoi, on a gagné. Ou je fais 240 FPS sur Osu. Osu. Alors. Osu. Attends. Oui, sur GT Sport, le mec s'est arrêté au dernier tour, alors qu'il lui restait 14 de carburant, incompréhensible. Ah, je sais pas, il a eu peut-être un problème en fait. Peut-être j'ai le freestyle du sale sur Osu. Peut-être qu'il a pas vu les tours récents ou même son niveau de carburant, mais c'était assez drôle. En compétition officielle en plus. C'est bizarre de ouf. Ça fait comme... Oh putain, je l'avais vécu en direct, ça. C'était... Le Mans 2017 2016. Je sais plus. La Toyota qui s'arrête. Sur le dernier tour. La Toyota de tête. C'était ouf. Ah, le bon Osu, qu'est-ce qu'on aime ça? Ah, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, mes oreilles aussi. Ah, ouais, je m'en doutais. Bon, j'ai fait une vidéo, on va voir. Merde, mais putain, mais comme pas. Ah, non, c'est bon. Ah, tu voulais test Fraps? Alors, une vidéo. Oh, il y a un petit Osu! Regarde oh, dans les paramètres en combien de kbps tu enregistres. Sur quoi? Sur ton dossier vidéo. C'est genre tu prends ta vidéo, tu fais clic droit propriété. Attends. C'est tellement étant dans un format qui n'est pas pris en charge. Merci Windows 10. Attends, mais je pense que je me suis réveillé. Ah, ça fait 2,38 giga, pardon. Ah ouais, mais faudrait peut-être régler le problème en fait. Et c'est peut-être pour ça que ton PC n'arrive pas à le lire. Regarde parce combien que j'ai un film qui fait 2 gigas, mais voilà. Ouais, mais regarde. Oui, mais non, oui. Mais regarde combien de kbps il l'a marqué. S'il te marque 1 million. Comment tu regardes ça? Tu vas sur ton fichier vidéo. Ouais. Tu fais clic droit propriété. Détail. Ouais. Et c'est marqué. Ah. T'es en combien? Tu me disais combien toi? 1 million. Bah, la dernière fois que j'ai fait une erreur comme ça, j'étais à 1,5 million.
Ah, je suis à 1,5 million. Voilà. Ah ouais, mais tu fais quoi pour réduire? Ben, dans Fraps, doit avoir des paramètres. Parce que je connais pas après. Bon, on a mis 38 secondes au deuxième. Pas mal, pas mal. On va juste voir. Alors, on est à combien de points du coup? Est-ce qu'on remonte? Et on est promu. Waouh! Wow, bah, d'accord, j'ai 80 points d'avance. Et trop bon! Je suis repassé promu. J'adore ma vie! Abonnez-vous! Ok. Le Mans, pas spécialement fan, mais j'y suis allé avec mon frère cette année. Sur place, c'est vraiment notre monde. À 14 du mat, à faire du vélo à côté du circuit pour découvrir le feu. Ah, mais c'est génial! Le Mans, c'est. Ça doit être ouf! Mais il n'y a aucun moyen de régler leur merde là, genre. Moi, je pense que je fous ton G130 FPS. Hein. Non, merde, mais. Non, c'est pas ça que tu Oh, dois régler. la frame étoile, la croix d'une. T'as vu, mais tu veux que je regarde où? Mais je sais pas, moi, ça doit être dans les paramètres d'enregistrement dans Fraps. Mais je sais pas où, moi, je l'utilise pas. Ah, mais voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas de paramètres d'enregistrement Non, mais dedans. tu sais quoi, je finis mon truc de vidéo. Non, je voulais pas Déjà la. que la voiture vous a Ma tapé dans race. l'œil. Attends deux secondes. Votre score de Enfin, je reviens. collection de Ouais. voitures augmentera et un nouveau véhicule. Ah, là, je m'en fous de. Tu fais qui parle, voilà. Je vais prendre moi là ça. Voilà. Je suis revenu. Ouais. Du coup, Ouais. bah, au niveau du championnat, on se retrouve à 80 points devant. Prochaine course. Ah bah justement, Le Mans, on en parlait. Circuit de la Sarthe, petit circuit. Et bien bah, pour YouTube, pour la vidéo, à plus. Et nous on continue sur le live, on va aller sur Le Mans. Et puis plus. C'est un au revoir. Et toi, au revoir.